Les indices européens cédaient du terrain lundi midi après la victoire du non au référendum en Grèce. À 13h26, le Stoxx 600 perdait 0,94% à 379,80. À Londres, le FTSE perdait lui aussi de terrain, environ 33%, 0,33% à 6564,09. Et enfin en Allemagne, le DAX était en baisse de 1,23% sous les 11 000 points. Sur le marché français, le CAC 40 reculait, lui aussi en ce début de semaine, à retrait de 1,65% à mi-séance, à 4729,09. Aucune valeur ne progressait, les 40 composantes du CAC 40 étaient dans le rouge, avec notamment BNP Paribas, moins 3,58% pour un titre à 52,33€, Société Générale, moins 3,26% pour un titre à 40,61€, et AXA, l'assureur, qui a abandonné un peu plus de 2,80%. Pour un titre qui s'est changé à 21,91€. Sur le marché d'échange, l'euro valait 1,1027$. Le dollar s'est changé lui contre 122,82 yens. Et puis pour terminer sur le marché obligataire, eh bien le rendement de l'OAT 10 ans était en baisse de 2,1 BP à 1,22%. Pour Trading Central, en direct ici depuis le Stock Exchange à New York, c'était Sébastien Giron. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. On se retrouve demain.